Les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. Donc on va continuer. L'annexe à Paititi, il me reste juste 3 missions à faire et puis la zone sera faite à 100%. Voilà, donc du coup j'ai trouvé donc la prochaine mission secondaire qui est juste ici. C'est bon. Donc on va y aller sans plus attendre. Vas-y. Bonjour. Maîtresse, bonjour. On vous a dit? C'est horrible. Sumac a été tué par son domestique. Il n'avait pas mérité ça. Vous connaissiez Sumac? Tout le monde connaît Sumac. C'était mon mentor et mon associé. C'est grâce à lui que je travaille. Un commerce dans le quartier supérieur sans les bons contacts, c'est impossible. Et Sumac m'a porté ça, entre autres. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Merci, prêtresse. Ok. Alors, résolvez le meurtre de Sumac. Donc, on va aller voir le garde. Désolé, prêtresse, l'entrée est interdite. Les gens sont en colère. Si je bouge, ils risquent de charger. Je peux peut-être trouver un moyen de les distraire. Oui, c'est une bonne stratégie. Ok, bon, j'ai vu lui en bas, donc je vais aller le voir direct. Ouais, j'étais pas venu ici. Ou alors peut-être que je suis passé en coup de vent, mais cette zone on ne me dit pas rien du tout. Que Sumac était mort? Si, prêtresse, c'était un grand homme. C'est vrai. Alors sonnez l'appel des morts, qu'ils puissent partir pour l'au-delà. Oui, prêtresse, tout de suite. Ok, donc il a sonné la corne et du coup ils vont tous y aller. C'est plus calme. Entrez. Qu'est-ce qui s'est passé? À notre arrivée, Shoko, la maîtresse de maison, se disputait avec Taruka, le serviteur. Sumac était entre eux. Taruka était couvert de sang. Shoko a assisté au meurtre? Non. Elle a trouvé Taruka au-dessus de Sumac en rentrant du marché. Est-ce que Taruka a avoué? Non, il dit qu'il est innocent. Mais vous êtes là, prêtresse. Personne ne peut mentir sous le regard des dieux. Quand il aura avoué, allez voir Pakal, l'enquêteur. Il est avec le... Ok, donc lui s'est fait censurer tout seul. Il y a quoi là-haut, là? Donc c'est lui, en fait. Pakal. Prêtresse. Racontez-moi, Pakal. On a poignardé Sumac dans le cou plusieurs fois avec une arme pointue et tranchante. Comme... On a fouillé toute la pièce. Alors c'est que l'assassin l'a emporté. Vous me permettez d'examiner le corps? Bien sûr. Que les dieux vous montrent ce que mes yeux n'auront pas su voir. Ok. Alors, on va examiner le corps. C'est un peu de sang pour un coup de couteau. Examinez le corps, prêtresse. Vous serez peut-être plus perspicace que moi. Ok, bon, maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on va, on va passer par là. Enfin, faut trouver le chemin, du moins. Par où? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des traces de sang par terre. Je sais pas si je peux le casser, ça. Bon, il doit y avoir un autre endroit où je peux passer. On va regarder. Ouais, par ici peut-être. Ça devait bien finir par arriver. Je le savais. De quoi? Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Prêtresse, bonjour. C'est bien vrai? On a tué Sumac? Oui, et je cherche Akna. J'ai des questions à lui poser. La domestique? Ne perdez pas votre temps avec elle. Elle ne sait rien du tout. C'est à peine si elle voit ce qui se passe sous le bout de son nez la plupart du temps. C'est-à-dire? Je suis désolée, prêtresse. Je n'aurais pas dû dire ça. Si vous savez quelque chose, dites-le. Disons juste que Shoko et Sumac n'avaient pas un mariage très passionnel. Shoko n'avait Dieu que pour Ikal. Ikal? L'associé de Sumac? Ils étaient amis? Même plus que ça, si vous voulez mon avis. Merci pour l'information. C'était un plaisir, prêtresse. Ok, donc on va retourner ici du coup.
comme je vous l'ai dit, Taruka, le serviteur, avait du sang sur les mains. Ok, donc toi, tu n'en dis pas plus que ça. Attends, c'était pas lui, Akane ? Il faut que je voie Shoko. Ok. Si je mets la map... ouais, donc il est dans le secteur. Donc ici, il n'y a pas de passage. Comment est-ce que je peux faire le tour en fait là? Attends. On va passer par en dessous. Donc là, on peut rien faire. Ah, Malo. Comment ça, why? On va passer par ici pour regarder un peu. Ah, ok. Ok. Donc là, c'est le tunnel en question de tout à l'heure. Et en fait, ouais, j'ai fait le tour. Akal, qui est Akal? Parce que moi je sais pas qui c'est Akal. Faudrait peut-être que je lui parle. Oh prêtresse, je vous en supplie, je jure que je n'ai pas tué mon maître. Du calme, Taruka. Racontez-moi tout. Quand je suis rentré des champs, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui claquait. Et j'ai trouvé Sumac couvert de sang. On l'avait poignardé. J'ai tenté de faire quelque chose, mais... c'était déjà trop tard. D'où tout ce sang sur vos mains? Prêtresse, vous devez me croire. Je reviendrai si jamais j'ai d'autres questions. Ok. Ouais, donc en fait, il a voulu aider... L'objectif me dit toujours ici. Qui es-tu, toi? Bonjour. Shoko? Oui, prêtresse. Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous me racontiez ce qui s'est passé. J'étais au marché avec... mon pauvre Sumac. Prenez votre temps. Commencez au début. Vous étiez au marché? Oui, avec Akna. Je voulais préparer du bok choy. C'était la préférée de Sumac. Akna? L'une de mes servantes. Qu'est-ce que vous avez vu en rentrant? Taruka était dans la cuisine, au-dessus de Sumac. Ses mains couvertes du sang de mon mari. J'ai crié... et les gardes sont arrivés. Est-ce qu'il avait une arme? Non. Est-ce que quelque chose a claqué à votre arrivée? Non. Bien sûr que non. Que fait... Ils marchaient toutes les deux. Elle est où maintenant? Elle se repose dans sa chambre. Le choc a été violent. Je vais aller lui parler. Mais... mm-hmm. Oui, bien sûr. Comme vous voudrez, prêtresse. Ouais, d'accord. Donc en fait, ouais, faut trouver Akna. Qu'est-ce que c'est, ça par terre? On dirait qu'on a déplacé le corps. Alors, faudrait que... Bonjour, Akna. Oh, prêtresse. Pardonnez-moi, j'ai cru que vous étiez madame. Je voudrais vous parler et vous poser quelques questions. Je ne sais rien du tout. Je ne sais jamais rien du tout. Elle s'ouvre, cette porte? La porte? Non, elle est cassée. Ça fait des années qu'elle est cassée. Akna... je vais trouver un moyen de faire le tour. Ok, ouais, donc en fait c'était ce que je me disais depuis tout à l'heure, il faut trouver un moyen de faire le tour. Moi je veux bien, hein, mais par où faire le tour en fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que je suis sûr que c'est elle en fait, moi. Ok, là on est de l'autre côté. Est-ce que c'est pas ici des fois là? J'ai pas loupé quelque chose ou quoi? Non, ici j'ai rien loupé. Ah tiens, des plumes de condor. Faut pas. Ah ben ouais, par là.
Ok. Bon, je pense qu'on a trouvé. Ah ouais, c'est là où j'avais trouvé la fresque et tout, comme c'était bien planqué. Ah ouais, elle est bien planquée, elle. Hein. On a remué la terre ici, il y a peu. Ce couteau, c'est sûrement l'arme du crime. Ok. Reposez ça, vite. Madame a dit que si quelqu'un le voyait, elle aurait des ennuis. Quel genre d'ennuis elle aurait ? Je vous en prie, prêtresse, ne me forcez pas. Si quelque chose arrive à madame... Vous devez tout me raconter. Madame n'est pas venue au marché avec moi. Quand je suis revenue dans ma chambre, la porte était cassée. Il y avait du sang partout. Madame m'a demandé de cacher le couteau pendant qu'elle appelait les gardes. Je suis désolée. Merci de votre honnêteté, Akna. Oh, pardonnez-moi, prêtresse. Oh, je vous en prie. Shoko sera traduit en justice. Ok, alors maintenant est-ce qu'on peut... Ouais, forcément, maintenant on peut passer. C'est quoi ça? Ok, il y a un dessin sur le mur, mais ouais, c'est peut-être... Ouais, c'est les traces de sang en fait. C'est les traces de sang, donc du coup on va retourner voir... Monsieur? Pakal, Taruka est innocent. C'est sa femme Shoko qui a tué Sumac. J'ai trouvé l'arme du crime. Arrêtez-la! Non! Shoko n'était pas au marché. Elle a attendu qu'Akna et Taruka s'en aillent, et elle a poignardé plusieurs fois Sumac dans le cou. C'est pas vrai! Sumac est tombé dans le passage. Shoko a déplacé son corps pour que Taruka le trouve plus facilement. Vous mentez! Ensuite, elle a claqué la porte pour attirer l'attention de Taruka. Elle a donné le couteau à Akna, elle lui a dit de le cacher, et elle est venue voir Taruka pour l'accuser du meurtre. Silence! Vous serez jugés tous les deux. Je tiens à vous remercier en vous offrant ceci. Ok, nouvel équipement, peau de léopard et chunique en peau portée, nanani nanana. Ok, bon ben normalement lui il est libre. Taruka, vous pouvez partir. Merci prêtresse. Parfois il y a une justice. Oui, parfois. Parfois il n'y en a pas. Allez monsieur les fesses à l'air, sauvez-vous. Voilà, un autre point de compétence, ça c'est cool. Bon, on va aller voir un feu de camp. Je sais pas si j'ai si je peux avoir des compétences pour deux points de compétence du coup. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette petite vidéo. Donc sur... Et bien sur cette mission annexe. Parce que je sais pas du tout. Alors je remets la map juste pour regarder. C'est bon, hein, la mission est bien finie, il n'y a pas de bug. Pour cette petite mission annexe, vu que je sais pas où sont les autres. Hop là. Alors, point de compétence et inventaire. Alors on a eu, j'ai oublié de regarder avec vous, mais lors de la mission précédente, de la vidéo précédente, j'avais eu aussi une autre tenue, je sais plus trop quoi. Ah ouais, non, mais du coup, ouais, ressources insuffisantes, j'ai tout vendu tout à l'heure. Mais j'ai tout vendu, je suis nul. Bon, au pire, c'est pas grave, on peut relooter, j'en sais rien en fait. Mais ouais, voilà. Dommage. Ouh, avec 2 points de compétence, 3. Il y a ça que je peux prendre, c'est quoi? Augmente les chances de trouver des animaux rares. Ça vaut 3, ça vaut 3. Ça vaut 2. Fabriquer des flèches à pas, attirer et tuer des ennemis proches avec un sombre nuage. Tiens, je vais prendre ça. Sinon, il y a ça. C'est quoi? Les tenues ancestrales ont besoin de moins de ressources pour restaurer leur gloire d'antan. Et ça, c'est 3 points. Bon, on va plutôt prendre celui-ci. Voilà. Donc, en fait, utiliser les flèches, la croix directionnelle. Maintenez R1 pour fabriquer des flèches à pas. Elles requièrent une flèche silencieuse, du tissu et du venin. Attire les ennemis proches et libère un nuage de gaz neurotoxique mortel à proximité.
Alors, c'est-à-dire en fait, si je veux. Ah ouais, non, ça marchera pas. Bon, ben, c'est la fin de cette vidéo. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo là où on ne sera pas bloqué avec les armes, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, restez peace, aimez-vous les uns les autres. Et moi, je vous donne un prochain rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être ce soir ou demain. Je pense, je sais pas, on verra. Donc voilà, salut, ciao et à la prochaine!